à tous, bienvenue aujourd'hui en gare de Reims. Après une semaine mouvementée et même extraordinaire avec ce fameux classico, on revient à des choses un peu plus calmes, mais pas totalement parce que là aujourd'hui encore c'est un derby. Un derby important, même si c'est pas le plus chaud ici à Reims contre Troyes. Moi, je sais que ça égalera jamais le derby avec Sedan, mais Reims-Troyes, il y a de la bonne rivalité aussi à se mettre sous la dent. On a un derby entre deux purs clubs champenois. D'un côté, la capitale de l'ex-province de Champagne, Troyes. De l'autre, sa plus grande ville, et de loin, Reims. On a une belle petite rivalité entre, d'un côté, les Ultras, qu'on aura l'occasion de voir en action aujourd'hui, et les Magic 3, enfin qui sont accompagnés de leurs amis Tricascro. J'ai vu qu'ils s'étaient amusés à coller quelques stickers ici à la gare. Bon, bah, apparemment le derby est lancé alors. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner comme d'habitude, de liker cette vidéo. On a un petit peu de temps devant nous, allez, genre 2h30 là, il est ouais, midi 30 quasiment. Donc voilà, on va faire ce petit tour en ville qu'on n'avait pas pu faire la dernière fois contre Clermont. Et bah, découvrir un peu cette jolie ville. Enfin, ça va être rapide, hein. Je ne vais pas tout vous faire, mais on va faire ce qu'on peut. Bon, voilà, on arrive aux abords du stade. Excité de reprendre encore une dose de rivalité, hein, parce que bon, avec tout ce temps qu'on avait attendu depuis la dernière fois que j'avais vu un match de rivalité avant OM-PSG, donc du coup qui a eu lieu cette semaine, là on commence à y reprendre goût. J'espère que bon, ça va rester civilisé, mais que enfin, ça va bien se chauffer entre les deux blocs là pour ce derby. On va voir l'intensité de la rivalité. Bon, même si encore une fois, je sais que c'est pas un Reims-Sedan, mais ce que je sais, c'est que y a de la tension sur ces matchs. J'ai déjà entendu les gens parler quand j'étais dans le tram, qui disaient ouais, c'est un derby, c'est important. Bref, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Il revient en défense centrale, l'Europe numéro 24, Emmanuel arrière latéral gauche de marqué, le joueur belge numéro 25, Thibaut. Thank you.
Thank you.
on est à la mi-temps d'un très beau match. Vous avez pu voir les Rémois à ce moment, ils sont en plus. Ouais, il y a aussi de ça. La rivalité aujourd'hui. Bon, ça nous amène à l'autre sujet, l'ambiance. Disons que c'est mitigé. J'ai bien aimé le tifo. Le partage croyant vraiment intéressant. Ils sont bien 500. Mais bon, après le déplacement, il est court. Hein. Mais encore fallait-il être là. Et par rapport à ce que les Magic ont l'habitude de faire, c'est plus intéressant quand ils sont en parcage, en fait. Faut croire. Non, et ensuite pour ce qui est du COP domicile, les Ultras, je ne vais pas mentir que je suis assez déçu parce que bon, j'étais déjà venu, j'avais déjà remarqué, mais bon, pour un club de cette envergure, avoir un City COP, bon voilà, c'est pas, ça ne le fait pas quoi. Mais bon, cela étant dit, ceux qui étaient dedans dans le bloc, ils ont fait le boulot. Comme j'ai dit, le tifo, il était très beau, très bien réussi. Voilà, c'est ceux qui sont dans le bloc, ils participent. Ça tient plutôt bien les gens, mais voilà, ils sont quoi, à vue d'œil, je dirais, peut-être 300, 400, 500 à tout casser. C'est faible pour un club d'un club de ce niveau-là. Bon, après, tant pis, hein, mais sinon, à part ça, c'est une journée plaisante. Sans plus pour l'instant. Mais sur le terrain, voilà, ce qui se passe, ce qui doit se passer. Les Rémois sont super bien beaux à voir jouer en ce moment. Et il y avait ce qu'on attendait d'un derby, de l'engagement sur le terrain. Donc on verra ce que ça donne en deuxième mi-temps, c'est très bien parti. Thank you.
Oh!
Super derby ici aujourd'hui au stade Auguste Delaune avec une ambiance qui a été mitigée par moments, mais sur la fin ça s'est vraiment emballé. Bon, évidemment le 4-0 aidant, bon ça retire pas ce que j'ai dit à la mi-temps par rapport au niveau du COP qui est un peu trop faible pour moi, mais sinon à part ça voilà, c'était un derby comme on aimait. Je me posais des questions au niveau rivalité. Ça chambrait des deux côtés, ça traitait. Et quand ça a commencé à devenir trop chaud et que ça a enchaîné 3-4-0, les Troyens, on a eu tellement marre qu'ils ont commencé à essayer de foutre la merde, entre guillemets. Disons, pour faire diversion, j'ai remarqué ça en fait tout le temps dans un derby, quand l'équipe qui se déplace se prend un gros score. Soit les supporters essayent de foutre la merde, soit ils sortent une bâche, ils essayent de faire quelque chose pour foutre la merde, ou alors ils se barrent directement. Bon. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié. Bon, désolé de m'enthousiasmer devant le foutage de merde et tout ça, mais bon, voilà, ça fait partie de l'attention d'un derby. Ouais, même si si je dois noter sur l'ensemble. C'est le match en soi, avec le scénario et avec l'ambiance et tout, de manière générale, je dirais 8 sur 10. Mais si on tient en compte que c'était un derby, bon, je trouve que c'était quand même assez moyen. Mais c'était une très belle journée ici à Reims, en espérant en découvrir d'autres de gros derbys encore cette saison. Allez, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Ciao.